Bonjour les amis, je vous retrouve en ce 13 juillet pour un petit direct et un enregistrement donc en même temps pour être donc diffusé donc sur YouTube. Je vais partir aujourd'hui sur une aquarelle d'un paysage rural qui vient d'un livre au départ de l'esquisse qui s'appelle donc Aquarelle des paysages de France. Je n'ai pas retrouvé mon livre, mais j'ai quand même l'esquisse qui est là devant vous. Elle est disponible sur ma page Facebook. Je vais utiliser les aquarelles de chez Rives en tube, dont j'ai préparé la palette il y a 5 minutes juste avant. Ces aquarelles-là, on les trouve par 18 également donc sur Amazon quand ils les ont. Donc, ce qui veut dire quand elles sont disponibles. Apparemment, pour le moment, elles n'y sont pas. Et ça vous coûte également donc une vingtaine d'euros. À défaut de ces aquarelles-là, qui ont une qualité fine, il en existe d'autres. Hein, et pour faire ce genre de paysage, vous utilisez bien évidemment ce que vous avez sous la main. C'est ce que je vous conseille. Au niveau de la palette, je vais quand même l'afficher. Comme ça, vous avez donc l'énoncé des couleurs. Elles ont un petit peu coulé. Et je vais donc interpréter la réalisation. Sachant que l'esquisse, donc elle était prête, mais j'ai envie de la faire avec le Ron Ransom en très très grande partie. Le Ron Ransom Small, que vous trouvez donc sans problème sur Amazon et d'autres sites. Donc sachez que si vous allez sur la page Facebook dans la zone communauté, ou la zone, ou bien ceux qui sont affiliés au groupe, il y a donc Sylvie, entre autres, qui a donc mis des liens pour se procurer donc ce genre deux pinceaux et ça vous en coûte donc pour celui-là à peu près une douzaine d'euros. Vous avez un pack sur Amazon par 4 quand ils l'ont également en disponibilité pour 32 euros, à savoir le S, le M, le L et le XL. Je vous prends un petit peu face caméra avant de démarrer cette petite aquarelle sympathique. Donc, sachez quand même pour les personnes qui suivent cet enregistrement, enfin cette vidéo, donc elle est issue d'un direct qui a été donc retravaillé où j'ai retiré donc les parties qui ne conviennent pas pour être donc diffusées sur ma chaîne YouTube pour plus de confort pour vous. Et la musique qui va bien. Je règle ça et je démarre tout de suite. Pas que ce soit trop fort. Si c'est trop fort, vous m'en faites part. Bien évidemment, je compte sur vous. Je prépare encore un petit sopalin. Voilà. Donc, j'ai préparé donc le Ron Ransom Small, bien évidemment. J'ai préparé un pinceau plein. J'ai préparé celui-ci. Je ne sais pas si je vais le prendre. Hein. Donc, c'est l'amas de la marque Royale. Là. Je prépare toujours quelques pinceaux à l'avance. Un pinceau fin. J'ai préparé l'autre Royale parce que j'aime encore bien donc la partie pointue qui est là. Ça donne, hein, c'est pas mal pour faire les traits et les lignes. C'est bon pour la musique. Merci. Merci, merci. Allez, Patrick, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va partir sur le mouillé de toute façon, hein, parce que c'est du Ron Ransom. Donc on va rester dans le subjectif quand même, on va pas aller dans les détails. Patrick, c'est du sans chichi? Ouais, si on veut, ouais. Ouais, tu peux. Alors si jamais maintenant il y avait trop sur les piquets, trop d'eau sur les piquets, ben là qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre un pinceau plat et je vais enlever l'excédent d'eau. Alors j'ai envie de bien mouiller mon support pour qu'il reste, hein, en sachant que ce n'est pas du torchon, que c'est du 100% synthétique. Cellulose, plutôt, synthétique. On s'est compris. Donc je vais mouiller à plusieurs reprises. Donc je remouille encore une fois avant d'y mettre un peu de bleu, mettre un peu d'ocre peut-être. Quelque chose de très simple. J'espère en tout cas assez lumineux quand même.
De la transparence, c'est le secret de l'aquarelle, ça ne change pas. Même si maintenant les couches sont assez épaisses, ça, quelque part, il faut quand même qu'il y ait une transparence qui reste. Hein. C'est ça la différence de l'aquarelle par rapport à l'acrylique déjà. Alors, je détrempe mon pinceau. En gros, je prends un peu d'ocre. Voilà. C'est un peu trop sec déjà. Je mets un petit peu d'eau. Donc finalement, donc les aquarelles que j'ai ici, le shérif, très honnêtement, elles ont plus de 4 ans, si pas plus. Et je remarque quand même que au niveau du pigment, ça reste quand même encore pas mal. Alors ici, il y a un côté végétatif, un petit peu. On met déjà donc un petit peu d'ocre. Pourquoi pas? Donc je pars vraiment à l'inconnu, là, évidemment. Hein. Donc je laisse libre cours à mon imagination. J'aime encore bien travailler comme ça. Ça, c'est l'outremer. Plus coloré sur le dessus. Alors il y en a qui vont me dire, mais comment ça se fait que le jaune apparaît pas? Ben, parce que je ne l'étale pas. Hein. Je lève mon pinceau, voilà. Donc plus rapproché ici, voilà, quelque part. Alors du contraste sur le dessus, donc du bleu avec une pointe de noir, puisqu'il n'y a pas de gris de peine ici dedans. Hein. Et je travaille avec le pinceau comme ça en berceau. Hein. Et je dépose le pigment, regardez, c'est ça qui est beau, ça donne un effet nuageux automatique, simple. J'essuie mon pinceau. Donc, ce qui est bien, c'est que chaque dépôt que vous faites comme ça sur le papier, à partir du moment où votre support est pas trempé, hein, donc il est mouillé, et on voit bien que ça se diffuse très légèrement, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pas la trempette, ça ne coule pas, et bien tous ces petits coups-là vont partir à un moment donné. C'est ça qui est bien. Maintenant, je vais nettoyer mon pinceau, donc je reprends ceci. Bonjour Christian du côté de Cambrai, bonjour Patrick, bonjour tout le monde, je dis en même temps. Si, si, merci Dominique pour la réponse, si, si, on arrive malheureusement. Hein. Et là, je passe un petit peu de blanc comme ça dedans pour changer un petit peu. Ici, je vais donner un petit effet. Voilà. Donc ça, vous travaillez comme vous voulez. Voilà. Un petit ciel tout simple, sympathique. Donc j'estompe toujours en bas un petit peu hein, pour donner un petit peu de, hein, de légèreté à ce nuage-là. Voilà, regardez. Je tourne même mon pinceau. C'est ce qu'on appelle un coup de pinceau sympa. Alors, je ne vais pas trop profond pour ne pas que ce soit le bleu qui devienne vert. Hein. Voilà. Et je vais déjà sécher ça. Quelque chose de très léger. Je vais rester là-dessus. J'aurais bien mis un peu de bleu plus foncé, peut-être sur le dessus quand même, pour avoir du contraste. Ouais, quand même. Les contrastes, toujours les contrastes, Patrick.
Oh, t'insistes toujours avec ça. Ah bon? Admettez quand même que ça fait plus joli, hein? C'est joli ça. Voilà, je vais sécher ça. Voilà un ciel qui me plaît bien, qui me parle. Hein, qui est fait vraiment le plus simplement possible. Hein. Je sèche. Alors, ce que je peux déjà dire, hein, concernant donc ces aquarelles de Cherise, là, hein, c'est que je l'ai déjà dit, hein, je travaille ça depuis des années, j'adore cette marque et j'espère en retrouver. Il y en a, je sais qu'il existe des nouveaux tubes sous une autre marque ou je ne sais pas quoi. Je recherche de toute façon et je trouverai. J'ai trouvé ça sur Amazon il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, en tube, même là, je trouve que la transparence est vraiment exemplaire, hein, pour de la fine. Et je dirais que c'est même plus transparent que les Talens, par exemple. Et le pigment est bien coloré. Il donne une belle colorisation, une belle aquarelle, quoi. Un beau ton aquarellé. C'est mon opinion, hein, personnelle. Donc, les contrastes, ils y sont. Et maintenant, je vais donc tout doucement déjà préparer mon pinceau mouillé. On va prendre du jaune. On va aller faire le côté végétatif ici derrière. Hein. J'essuie mon pinceau parce que je veux qu'il soit entre les deux. Commence entre les deux. Donc ça veut dire pas trop mouillé pour que j'entente les poils sur le support. Alors je travaille avec le pinceau comme ceci. Voilà, je l'entends, donc ça me plaît. Alors le bleu en dessous, évidemment, bah, il va me servir à quelque chose quand même, hein, quelque part. Donc évidemment, une fois de plus, là je mélangeais les deux jaunes que j'avais sur la palette, hein, je vous le dis. On va faire ce côté végétatif sympathique. Bien longer le toit. On va déjà y inclure le vert qui est là. Les cyprès, je le ferai après. Donc là, je travaille dans l'humide. Hein. On est d'accord, hein, quelque part. Je mélange déjà du bleu là-dedans pour avoir un vert assez profond. Le bleu outremer, en l'occurrence. Voilà. Toujours le pinceau comme ceci, regardez bien.
Vous savez, j'essaie toujours de montrer un maximum. Et le secret, évidemment, hein, je le redis, c'est vraiment de ne pas poser le pinceau donc sur le support. Hein. C'est vraiment de caresser le support, regardez, hein, pour donner des effets plutôt sympathiques comme ceci. Voilà. Si vous l'écrasez, c'est foutu. Voilà, le jaune il transparaît toujours, c'est ce que je veux. Hein. Les contrastes vraiment très profonds, c'est évidemment pour la fin, hein, comme ici, en bas des arbres, voilà. Ça devient bon. Alors, le bleu, le jaune. Une pointe de noir. Ah bon? Eh oui. Et comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas encore remis le pinceau dans l'eau, hein, parce qu'il est encore assez mouillé, hein, comme je vois. Voilà, vraiment pour donner quelques contrastes, vraiment. Alors ça sèche un petit peu, hein, c'est ce que j'attends. Ça m'aide. Hein, pour ne pas que ça se mélange dedans. Sinon, je donne un petit coup de séchage rapide, vraiment 2 secondes. Voilà, c'est un petit séchage vraiment ultra, ultra rapide comme vous avez vu. Alors, je n'ai pas remouillé mon pinceau, je vais quand même le charger et replier donc les poils là, comme ça. Alors le restant, on va le prendre. Un peu de bleu supplémentaire ici en bas, voilà. Et voilà. Je m'arrête là. Je vais prendre le pinceau ici. Pour venir dégager tout simplement la toiture. Je veux qu'elle soit vraiment correcte, parce qu'elle est quand même voyante. Hein. La cheminée, voilà, on enlève et c'est bon. Ne pas dépasser devant, évidemment, puisque les arbres sont derrière, n'est-ce pas? Je prends la carte, tant que c'est pas sec. Je donne un petit coup comme ça dedans, avec la partie à 90 degrés. Et voilà, sans plus. Bonjour Patrick Lucas également. Ça va bien?
Alors, je reprends donc le pinceau là, bien évidemment. Malinché. Oui, Patrick. Alors, la toiture, je vais la faire dans quel ton? Dans les tons brun, rougeâtre. Donc, je vais préparer donc ceci. Je vais tout simplement prendre ça. Prendre la terre de sienne, donc le brun. Moins de l'ocre là-dedans. Donc, le brun. Je vais lui prendre plutôt l'autre rouge ici. Pour avoir quelque chose de cohérent. Bof. Oui, c'est mon petit test. Hein. Et alors ici. Le tout, c'est de ramener évidemment cette goutte d'eau avec le pigment juste à hauteur ici. Voilà. Et maintenant, je vais déjà donc préparer donc ici, ce côté-ci donc également. Donc le pinceau est fermé comme ceci. Simple. Ici, un peu plus charnu, voilà. Laisser ici. On dépose un peu de pigment dedans pour donner l'effet et on laisse sécher gentiment. La cheminée qui est au-dessus, voilà. Et voilà. Les contrastes se mettent évidemment après. J'essuie mon pinceau. Ici, ça a débordé quelque peu. C'est pas grave, que ça en tienne. On nettoie. Alors, au niveau donc des côtés, sachez que la lumière est un peu partout là, donc c'est pas pareil que truc. On va mettre un côté plus foncé, je dirais ici, et plus clair ici. Alors, les tons bleutés avec donc un peu gris de peine, genre gris de peine, un peu de jaune avec dedans, quelque chose de sympa. Je veux que ça reste assez clair quand même, malgré tout. Donc, je vais partir avec ça. Donc, gris de peine, tac, tac. C'est assez dilué, comme vous voyez. Hein. Alors ici, il y a un muret. Droit ici, voilà. Le muret, je vais retirer le pigment tout de suite qui est en trop, qui va être dans les tons bleutés lui.
Comme ça, tout est respecté. Voilà. Et l'avant, puisque j'ai dit que j'allais mettre donc un petit peu plus clair, je vais rajouter uniquement donc du bleu là-dedans. Vous savez que moi, la qualité, je ne suis pas en HD. Je suis en 144p. Il faut que je change ça, que je vois. Voilà. Incroyable. Comme ça change. Donc, du bleu que je vais tout simplement donc, rajouter à mon... Nettoyer le pinceau quand même un petit peu. Voilà. Plus dans les tons bleutés pour donner un peu de luminosité à l'avant. On tire le pigment vers le bas, bien sûr. Le mélange qui est ici. On va donner un peu de contraste, un coup. Bas et ici aussi. Voilà. Une chose qui est faite. Jusque-là, c'est bon. Je laisse sécher. Je vais m'attarder maintenant aux cyprès qui sont là. La végétation ici. Puis la végétation qui est là. Le petit chemin. Un peu d'herbe là. Et puis voilà, les piquets. Et puis ce sera bon, hein. Patrick, tu t'es vraiment pas foulé, hein. Non, j'ai pas envie. Alors, le vert, le bleu. Bien sûr que je vais encore mettre le petit contraste là en dessous et quand même les fenêtres aussi. Hein. Alors, Patrick. Hop. Donc là, on travaille donc vers le haut. Et Patrick, tu fais quoi? Bah, les cyprès. Hein. Donc pour les cyprès, je vais donc de haut en bas, en pointillé, avec uniquement donc le bout. Pinceau bien fermé, voilà, on écarte un petit peu plus vers le bas. Voilà, on prend un petit peu de bleu. N'oubliez pas que c'est toujours une réalisation avec le Ron Ransom. Hein. Donc on suggère beaucoup. Mais il faut quand même que ça ressemble à des cyprès. Le côté végétatif ici, je peux le fermer comme il faut. Voilà. J'en voulais deux là-dedans. Voilà. Voilà, voilà. Je laisse comme ça. Oui Sylvie, je pense que tu as passé comme moi en 144, il faut remettre en HD.
les mystères YouTube continuent. Alors, le côté végétatif, je vais le faire tout de suite. Du jaune. Avec du bleu, on va faire un petit mélange sympa. Voilà. C'est trop mouillé, j'essuie mon pinceau. Donc j'ai plusieurs couleurs sur mon pinceau, hein. C'est ça que j'aime bien avec le Ron Ransom, vous le savez. Ceux qui ne le savent pas encore, ben, ils le sauront. Voilà. On y va déjà donc pour le côté végétatif. Je travaille bien évidemment avec un peu de blanc, donc le blanc du papier, l'ocre qui est en dessous, voilà. Voilà, très subjectif hein, comme vous voyez. Je vais travailler maintenant un petit peu une partie déjà ici devant avant donc d'entamer donc le chemin. Là aussi, je dépose le pigment. Je vais quand même éviter un petit peu donc les piquets. En gros, hein, même si on passe un petit peu dedans, c'est pas grave. Ils seront bruns de toute façon. Si jamais il y avait trop, je retire bien évidemment avec le pinceau plat. Hein. Donc ici, je mets donc le pigment. Voilà. Voilà, voilà. Je vais sécher ça.
Ok, donc j'ai séché grossièrement de manière à pouvoir venir mettre le chemin que je vais faire dans les tons, je ne sais pas. Je nettoie un petit peu ma palette ici devant. Ma palette en porcelaine, mes amis, vous le savez. Où as-tu acheté ça donc? Écoutez, vous organisez pendant vos vacances une soirée fondue et vous allez acheter les assiettes et vous les gardez pour vos pigments par la suite. Vous en aurez plus qu'il en faudra. C'est la petite astuce du jour. Pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors ici. Alors, on va faire ça dans les tons violets légèrement, quoi. Un peu de bleu. C'est de l'asphalte, n'est-ce pas? Donc, une pointe de noir quand même là-dedans. Hein. Donc, c'est pas vraiment du violet, hein, je vous le dis tout de suite. Mais que ce soit quand même joli. Dans les tons bleutés, voilà. Le coin du pinceau, on va venir nettoyer donc après donc dans le piquet, ça c'est sûr. Voilà. Je prends tout de suite ceci, qu'on mouille, on vient nettoyer ça pour faire les piquets comme il faut quand même. Je nettoie donc le pigment qui est passé à travers, voilà tout simplement, tant que c'est pas sec, regardez ça part comme par magie, voilà, je nettoie, ok. Alors, tant que j'ai ce pinceau-là, hein, on va venir mettre donc des contrastes, un petit peu donc la porte et tout ça. Je pourrais également prendre le Rod Hudson, hein, mais voilà, je vais quand même privilégier le pinceau plat. Du bleu, du brun. Est-ce que j'ai assez de bleu, je me le demande. Sinon, je devrais en remettre quand même, hein. Moi, je crois que celui-ci, de toute façon, c'est pas le même, vous me direz, hein, mais bon. Quand on fait le mélange, on arrive à ce qu'on veut. De toute façon, c'est ce qui compte. Oui, ça ira aussi. C'est bon.
Alors, le bleu un peu plus contrasté ici. Alors ici un petit peu en quinconce, un peu plus marqué ici en bas, beaucoup moins sur le dessus. On laisse sécher, il n'y aura plus qu'à rajouter donc les contrastes internes ici pour donner donc le volume et les ombres. Je prends le bleu qui est ici, il est contrasté ici en bas, voilà, et contrasté une partie ici en bas également. Ça s'arrête là. Maintenant, je prends le Ron Ranson, je vais faire des piquets. Alors pour les piquets, on va rester soft. De la terre de sienne, du noir et le bleu mélangé, bien évidemment, pour avoir quelque chose de cohérent. Pas trop mouillé, évidemment, sinon ça ne marche pas. Alors ocre, brun, bleu, pas trop foncé. Et on va voir.
je tourne le pinceau pour avoir donc plusieurs pigments donc dessus. Ici, je peux rajouter, mais ce sera de toute façon après pour les contrastes, hein. Quelques contrastes à rajouter par après. Mais là, je fais d'abord tous mes piquets comme il faut au départ. Hein. Je tourne le pinceau. Je lis un petit peu en même temps. Hein. Que les contrastes se donnent un petit peu sur la route, le bord du chemin, bien évidemment, hein, pour terminer cette aquarelle. Vraiment une aquarelle, je pense, en tout cas, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, vraiment accessible à un maximum d'entre vous. Hein. Ah, t'es le seul homme qui arrive. Tu crois? Ne me dites pas que quand le téléphone sonne, les filles, que vous ne répondez pas quand même. Je serais étonné, voyons. Ce serait une première. N'est-ce pas les pipettes? Comment? Ah, j'ai encore rien lu. Je me dis, ça va venir, ça va venir. Voilà. Alors, le côté terreux. Un peu d'ocre avec de la terre de sienne. Donc ici beaucoup plus subjectif, hein, un peu plus dilué ici donc également. Hein. Et ici donc on voit un petit peu plus donc le côté terreux qui apparaît. Un mélange de jaune. Peu subjectif au niveau des herbages. Au niveau du chemin, je vais donc tout simplement reprendre le même mélange qui était ici, hein, évidemment.
peu plus contrasté. Plus contrasté ici au bord, voilà. Et qui part à rien vers l'horizon, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Alors, le jaune. Un peu de dépôt plus jaune ici devant, quand même, pour la clarté. Idem ici également. Pratiquement rien vers l'arrière, hein, je vous le dis. Voilà, voilà, je vais terminer les fenêtres, enfin du moins donc les fenêtres qui sont c'est plutôt fermé, mais bon, je vais quand même mettre les contrastes ici qu'il faut. Hein. Je regarde la perspective, si elle est bonne, oui. Là, oui, là c'est bon, ici aussi. Voilà, 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 je crois qu'on la voit bien. Je prends tout simplement le jaune maintenant qui est ici. Je n'ai plus qu'à achever donc un petit peu donc les troncs, mais vraiment donc, en restant donc subjectif, je vais prendre le pinceau ici. Et je m'arrête là pour l'aquarelle. Là le chemin donc c'est bon. Simuler donc davantage un petit peu donc du moins pour ceci hein. Les nervures du moins en partie.
obligé de le faire puisque, comme vous le constatez, hein, vous-même, vous en doutez bien, ça se trouve à l'avant-plan. Donc, quelque part, il faut quand même que ce soit un peu plus détaillé. Du bleu, de l'ocre, de la terre de sienne. Ça fait un ton violacé, bleu, brun. Donc c'est un petit mélange qu'il y a sur mon pinceau. C'est ça qui est classe. Voilà les amis. Je crois que la structure est voyante. Hein. Alors au niveau du chemin, donc c'est terminé. Je viens juste ici rajouter vraiment pour dire hein, le côté terreux quand même le long du chemin. J'ai envie de prendre ceci. D'y ajouter donc quelques avec le vert, ça va ressortir, c'est ça qui est joli. Ce qui reste de toute façon ici. Hop, on nettoie, on fait un petit mélange sympa. Quelques abats vraiment ici à l'avant-plan. Qui passe en travers évidemment des piquets, voilà, assez haut. Ça donne du volume et ça donne également encore du contraste supplémentaire et de la profondeur.
N'oubliez pas qu'il y a le cadre qu'il y a ici. Hein. Voilà, je prends ceci tant que c'est mouillé. Voilà, quelque chose qui me plaît bien en restant dans la simplicité. Voilà, donc pour cette aquarelle-là, je m'arrête là. Je n'ai plus qu'à signer. Je vais sécher tout de suite. Alors, la signature. Là aussi, une petite parenthèse, je le dirai après. Donc, il y a les défis qui ont été postés sans signature. Il y a la numérique qui est là, heureusement. Voilà.